La Magali Berda, par exemple, Ouais. elle a été condamnée à maintes et maintes reprises. Là, elle est interdite de manager des sociétés, ou je ne sais pas comment on dit. Elle en manage plein. Elle a été condamnée pour, en 2019 pour avoir escroqué une personne âgée de 96 ans atteinte d'Alzheimer pour plus de 200 000 euros avec sa mère. Elle est toujours reçue sur les plateaux télé. Je sais pas, moi je trouve ça incroyable. Elle vous a, enfin, elle a porté plainte contre Là, vous c'est sur pour Instagram. Oui. cyberharcèlement. Vous réfutez toutes ces accusations. Et vous avez saisi, votre avocat a saisi l'ARCOM, c'est ça? Bien sûr. Bah, ces accusations, de toute façon, c'est une menteuse née. Elle me reproche de l'avoir menacée de mort ou d'avoir demandé à ma meute, comme elle dit, de l'avoir menacée de mort. Sauf qu'il n'y a aucun tweet où je la menace de mort. Ce tweet n'existe pas.